Land, c'est le portrait d'une jeune femme, une jeune veuve au début des années 20, au début du XXe siècle, dans le sud-ouest de la France, dans une grande forêt industrielle. Et c'est quelqu'un qui perd son mari au début de l'histoire et qui va reprendre son rêve, électrifier ses domaines, ses propriétés, amener l'électrification dans ce pays. Mais personne n'en veut. Et donc, elle se confronte à un refus comme ça, un peu général. Et en menant ce projet, coûte que coûte, elle se découvre elle-même, elle apprend à redécouvrir le pays et à voir ce qui est vraiment moderne, ce qui est vraiment la nécessité de ce pays. Et elle découvre que c'est peut-être pas l'électrification, l'électricité qui est la plus grande urgence, quoi.